vous n'avez rien à dire? Franchement, vous me décevez beaucoup tous les deux. Papa, pardon. C'était mon idée, il y est pour rien. C'est moi qui lui ai proposé de venir vivre à la résidence. Non, c'est ma faute, Luna. J'ai accepté ta proposition. Attends, Simon. Je pensais pouvoir vous faire confiance. Je vous ai clairement dit que vous ne pouviez pas continuer à répéter dans la remise et vous ne m'avez pas écouté. Répéter ? Oui, j'ai trouvé dans la remise des partitions qui t'appartiennent, Simon. Vous savez dans quel pétrin vous auriez pu vous mettre ? Heureusement que c'est moi qui les ai trouvées. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été une autre personne, hein ? Si Madame Benson l'apprend, nous pourrions être obligés de partir de la résidence. Pardon, papa. Écoute, depuis quelque temps, je vais te dire quelque chose, mais je ne sais pas comment. Bon, d'accord, Luna, très bien. Nous parlerons tous les deux plus tard. Pour le moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais s'il vous plaît, trouvez-vous un autre endroit pour répéter. Vous avez entendu ? Oui. Oui. On se voit pour dîner. Simon, je devais les lui dire, mais j'ai pas su comment. On ne peut pas continuer comme ça. Je suis sérieux. Je voudrais surtout pas créer des problèmes à tes parents. Mais j'ai pas envie que tu partes. Oui, Luna, mais il vaudrait mieux que je trouve un endroit où je puisse m'installer avant qu'il n'arrive quelque chose. Écoute, on a eu une super grosse journée et nos idées sont plus très claires. Reste ici encore cette nuit et demain on verra. Oui, d'accord. Mais demain, il faut à tout prix qu'on règle ça. Rester ici, c'est très risqué et c'est même dangereux, Luna. Vous me dites que Roberto vous a donné ce pendentif? Oui. Bon, qui est Roberto? Où l'avez-vous connu? Ça fait beaucoup de questions. Je ne peux rien vous dire. Excusez-moi, Monica, ne me compromettez pas. Et pourquoi je vous compromettrais? Hein? J'ai dit compromettre? Oui. Non. Vous n'avez pas entendu, enfin, pas très bien. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas me demander l'histoire complète. Quelle histoire? L'histoire... Qui est cet homme? Qui? Roberto. Ah, Roberto. Roberto, c'est un immense jongleur, mais vraiment immense. Un jongleur, vous dites? Vous savez, il lance des objets, là. Oui, je sais très bien ce que c'est qu'un jongleur. Alors, pourquoi vous demandez? Parce que je veux savoir comment vous l'avez connu. Qui? Roberto. Ah, Roberto. Vous voulez que je vous raconte toute l'histoire du cirque, mon travail, l'histoire complète et tout? Non, pas l'histoire. Je veux juste savoir comment vous avez fait la connaissance de Roberto. Oui, bien. Et pourquoi il vous a donné le pendentif? Pourquoi l'avait-il? Le pendentif? Oui. Ah, non, je sais pas pourquoi il l'avait. Je sais pas. Mais vous ne pouvez pas le lui demander? Non. Pourquoi? Non, parce qu'il est très loin. Il est parti à Moscou. Il à est Moscou. À Moscou, oui, en Russie. Vous savez, vous savez. Oui. Il est parti là-bas parce qu'il a eu une promotion. Retrouve Soy Luna sur Disney Channel. Retrouve toute l'actu de tes stars sur destination-talent.fr.